Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est moi Foubi en compagnie de mon frère La Fléchette. Bien sûr, rip La Fléchette, voilà, voilà. Il s'appelle Monsieur Exotique, voilà, allez le voir sur YouTube, voilà, il a à peine 100 abonnés, donc il fait pitié, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, mais avant, à la mienne, c'est très important pour atteindre les 5000 abonnés. Et ouais mon frère, t'enlèves tous les zéros. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on a une nouvelle boutique avec une nouvelle pioche. Demain, je vais me réveiller, il va arriver à 10 000 abonnés, puis moi, je serai toujours à mes 5 000. Hein. On ne sait jamais, qui sait qui te ferait des millions de vues. Hein. On ne sait jamais. Mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, boum, on va se réveiller, pourquoi pas faire directement une vidéo avec mon frère, avec le stand de la veine, tu vois. Et je me suis dit, eh ben, on va faire une petite vidéo où lui, sur son petit écran, il va regarder la pioche, les différents styles. Et nous, bah moi, de mon côté, je vais faire pareil et noter sur 10 et voir un peu si on ressent les mêmes choses. Comme, voilà, voilà, quoi. Pour les intimes, vous savez pas. Donc, 800 V-Bucks, la petite pioche, déjà de 1. Mon frère, est-ce que pour 800 V-Bucks, tu trouves que la pioche est chère ou pas assez chère? Bienvenue sur BFM TV. Attends, j'ai la diarrhée. Par contre, si tu coupes montage. Hein. Ouais, vas-y. Donc, combien tu mettrais sur 10 déjà le prix? Est-ce que tu trouves que le prix est assez bien? Est-ce que le prix n'est pas très basique? Fais-nous du. En fait. Raoul. Attends, laisse-moi parler, ta gueule. Du coup, alors, la pioche, franchement, elle est quand même stylée. Mm-hmm. Elle est un petit peu grosse, mm-hmm. mais elle est stylée sur les bords. Jackie, tu marques en bas là, sur BFM, tu marques la pioche est un peu grosse. Voilà, c'est Raoul qui le dit. Oui, vas-y, continue. Ouais. Et tu le mets en rouge, bien en rouge, tu vas souligner. Vas-y, continue. Je pense que son porte-clés, c'est un antilate pour le coronavirus. Je pense, vas-y, hein, vas-y, c'est vas-y, ma théorie que j'ai fait. Ouais, vas-y, passe entre mes jambes. Ouais, vas-y. Ouais. Oui, alors du coup, tu trouves que la pioche est plutôt cool? Moi, personnellement, tu vois, je trouve que la pioche est assez cool. Voilà, c'est bien. Pour 800 bucks, je trouve qu'elle est bien. Parce qu'en plus, madame, monsieur, bien oui, bah, attention, mettez en rouge. En plus, il y a plusieurs styles. Donc, il y a exactement 4 styles. Donc, on va directement aller voir les 4 styles. Je vous ai pas coupé, monsieur. Voilà. Donc, on y va directement les 4 styles. Donc, on a la première style. Donc, va voir directement le style par défaut. Donc, la couleur par défaut. Donc, là, moi, je lui mettrai directement une note de 6 sur 10. Parce que, bon, la pioche est assez cool. Le laser un peu fluo, bleu, est plutôt bueno. Le rouge rend super bien. Et c'est là que la voisine gueule et qui monte et qui me bute la gueule. Donc, on a directement un petit porte-clés, voilà, qui est buggé. D'ailleurs, vous pouvez le voir directement avec sa petite tête, là. Donc, voilà. Combien tu mets sur 10, la première, le premier style? Voilà. Un petit 7,5. C'est bien. 7,5. Allez, deuxième style. Donc là, c'est le style noir. Donc là, qu'on part directement sur un style assez cool et assez cool. Franchement, sur 10, moi, je lui mettrais une petite note de, allez, 6,5. Combien tu lui mettrais? Moi, d'accord, ok. Que je préfère, donc non. Là, directement, on a la troisième style. Donc là, on part directement sur une pioche noire et blanche avec un petit chat qui nous regarde qui est assez mignon. Donc moi, je trouve ça assez cool. Et en plus, attention, la petite tête là qui est buggée juste en bas, un peu violet. Donc moi, j'y mettrais du 7 sur 10. Voilà. Combien tu y mettrais? 8,5. Franchement, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et là, on part directement sur la dernière. Franchement, c'est mon coup de cœur préféré. J'ai failli chialer comme si que je voyais un truc pour la première fois de ma vie qui était assez beau, quoi. Donc là, je mettrais là, un petit 8 sur 10. Ouais, 8 ou entre 8,5 et 9. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas d'œufs dans mon frigo. Donc, je sais pas si je mettrais 9. Tu sors. Et donc, franchement, je mettrais ouais, un petit 8, un petit 9. C'est vrai que c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Tout est fini sur cette petite pioche. Donc dites-nous en commentaire si vous avez kiffé ce genre de petite vidéo là. Restez pour ceux qui veulent voir le restant de la boutique. Si vous restez pas, on viendra avec mon frère avec balle de baseball chez vous. Donc restez bien sur toute la vidéo et mettez mon code créateur, c'est très important aussi. Parce que. Et abonnez-vous à Exotique. Abonnez-vous pas à Exotique, voilà comme il a dit. Ta gueule. D'ailleurs, comme je vous ai dit, le petit code créateur c'est moi foutu dans la petite boutique. Si vous le mettez pas, on viendra vous défoncer le crâne à la balle de baseball. Donc, je vous serai vous, je le mettrai. Après, on vous force pas la main. On vous force pas la main. Mais si vous voulez retourner à l'école en bonne et due forme et en qualité. En puté. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, on a le retour du petit skin Yuku machin bidule à 2000 V-Bucks. On a le retour du skin du chef panda, d'ailleurs, qui est assez cool. Est-ce que tu aimes bien le skin panda? Pas trop. D'accord, ok. Et on a aussi une petite pioche, voilà, 1200 V-Bucks, qui est assez cool aussi. Bon, voilà, c'est une pioche qui est assez basique, on peut non plus rester là-dedans. On a un petit skin, d'ailleurs, qui est super beau, voilà. Et en plus, pour une fois qu'on a un skin qui a un petit coquillage fermé, franchement, moi, ça me plaît bien. À 1200 V-Bucks, bien sûr. Pour ceux qui ont compris, pas les petits 8 ans. Ensuite, on a une petite flamme en rose, voilà, qui est assez cool. Une petite pioche pour 1500 V-Bucks, voilà, voilà. Une petite danse, oulala, on va enlever le son parce que sinon on veut se faire démonétiser. Donc voilà, de la saison 6. Et un petit skin de la saison 1, d'ailleurs, qui est assez stylé pour 800 V-Bucks. D'ailleurs, mon frère, est-ce que tu le trouves bien, le skin
Mercenaire. Bam, Chiwit. Ok. Chiwit. Ensuite, une petite danse voilà, de la saison 9 pour la promotion E-Buck. Écoutez, franchement, il est assez cool. Et aussi, pour finir, une petite danse Shifumi, voilà, pour 200 E-Buck de la saison 3 qui est assez cool, qui est assez bien. Est-ce que tu aimes bien? C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à regarder la petite pub qui passera directement sur la chaîne YouTube. Et comme ça, bah, vous m'aiderez à surmonter les épreuves assez dures en ce moment. Voilà. Faut s'abonner. On n'a plus de sous. Surtout s'abonner. Oui. Voilà, donc merci à tous ceux qui le feront. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, qu'elle sera un peu plus festive que celle que j'ai fait dernièrement. Donc merci à tous ceux. Et pourquoi pas, si on atteint les 10 likes sur la vidéo, je referai une vidéo avec mon frère, ou alors ça sera fini et on coupera les points. Mais attends, voilà. Et c'est normal, pour pas que le bouseux, lui, des fois, il demande des 50 000 likes et toi, tu lui demandes des 10 likes. Ben, le problème, c'est qu'on a un problème au niveau du compteur de likes sur ma chaîne YouTube. C'est qu'en gros, on peut mettre juste 10 likes. Donc, en gros, ben, les gens peuvent mettre que 10 likes. C'est dommage, c'est pas de ma faute. Mais ma chaîne YouTube se bloque à 10 likes. Donc, les amis, voilà, respectez le truc. Ben, après, je mettrai avec mes comptes les 10 likes. Comme ça, je sais que je pourrai revenir avec mon frère. Mais, aidez-moi, un petit like, ça fait plaisir. Ça fait surmonter le confinement qui est dans mon cœur. Dans mon âme, merci à vous tous. Voilà, pour ne plus vendre du beurre, quoi.